Vous entrez dans la zone « Deux choses et d'autres », le podcast décalé et impertinent de l'Indépendant. Je suis Michel Litoux. Les propriétaires de voitures sont souvent des maniaques de la propreté. Après chaque pluie de sable, ils sont des dizaines à faire la queue pour passer leur belle auto sous les rouleaux afin de la récupérer rutilante. Le problème, c'est que si la saleté extérieure est visible et donc rapidement à éliminer, la crasse intérieure, elle, se voit beaucoup moins. Et pourtant, elle est beaucoup plus importante. Une étude britannique révèle que l'intérieur d'une voiture est plus sale que des toilettes. 5 voitures récentes ont été analysées, de même que 2 cuvettes de toilettes. Résultat, il y a beaucoup plus de bactéries fécales dans les véhicules que dans les WC. Le lieu le plus contaminé ? Le coffre, suivi du siège du conducteur. Si en temps normal, les voitures sont donc sales, je préfère ne pas imaginer l'état des véhicules qui ont participé au convoi de la liberté. Durant 5 jours, les protestataires ont roulé, mangé et dormi dans leur véhicule chéri. Arrivés à Paris, les forces de l'ordre n'ont pas pris de pincettes pour arrêter et immobiliser ces hypothétiques fauteurs de troubles. Pourtant, si les policiers avaient eu connaissance de cette étude, ils auraient sans doute pris un peu plus de précautions avant de déloger les conducteurs de derrière leur volant. En fait, le meilleur argument que l'État aurait dû sortir pour stopper le cortège de protestataires, c'est tout simplement de mettre en avant le risque sanitaire. Car en réalité, ces voitures étaient de véritables bombes bactériologiques qui s'ignoraient. Vous venez d'écouter Deux choses et d'autres. Je suis Michel Litoux. Si ce podcast vous a plu, retrouvez ma chronique tous les jours dans l'Indépendant. À demain. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.